Okay, we're going to get started. Thank you very much for joining us today. My name is Barbara Melodic, and I'm the marketing manager for FSL K-12 in Canada for Pearson. Just want to welcome you here today. We have Jordan Sloan, who's going to be presenting to you Mathologie today. One note is you are all going to be muted so that we don't have background noise. We can open up the lines later for your questions, but you can also ask questions throughout. If you ask it in the chat down at your at the bottom, I did put in a welcome message there, so you can just be responding and we will be answering throughout. I'm going to pass it over right now to Jordan to get started. Thank you. Alors, bonjour tout le monde de chez nous. J'espère que mes chiens ne vont pas faire trop de bruit pendant qu'on parle aujourd'hui. Je vais vous souhaiter la bienvenue à notre session et j'aimerais aujourd'hui qu'on ait la chance d'être un peu interactif. Alors, je vais vous entendre, je vais vous demander des questions et si vous pouvez écrire vos réponses dans le chat. Et on va avoir un peu d'interaction pendant notre session aujourd'hui. Alors, si vous allez au chat comme c'est là et vous regardez le bouton bleu, si vous pouvez, s'il vous plaît, le changer à « All panelists and attendees » et de cette façon-là, tout le monde va être capable de voir ce que vous écrivez. Alors, bienvenue. Je vais m'introduire. Je suis Jordan Sloan et je suis une coach de littératie bilingue au comté de Renfrew, tout près d'Ottawa. Et j'ai commencé avec Pearson, avec leur programme de mathologie pendant que j'enseignais en maternelle, en immersion. En même temps que Pearson a commencé avec le programme en français. Et quand j'étais à première année, on a eu le programme de mathologie en première année et ensuite en deuxième année. Alors maintenant, je suis une coach. Et ce que j'aime beaucoup avec la mathologie, c'est que mes élèves peuvent jouer et toucher et expériencer les mathématiques et que ça fait la vie vraiment facile pour moi en termes de planification. Et je suis certaine que tout que j'enseigne va aller avec le curriculum. Excusez-moi. Et je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que ça a de l'air et comment c'est facile de planifier. Et je vais vraiment vous montrer les outils que vous pouvez utiliser tout de suite comme c'est là pendant que vous enseignez sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez. Alors, notre première chance d'interagir, je veux que vous écriviez dans le chat si vous voyez quelle sorte d'opportunité que vous voyez pour de l'addition et de la soustraction. Et je vous présente une image d'un de nos petits livrets, garderie pour chiens chez Luc. Alors, je vais vous donner une couple de secondes pour me donner des réponses dans le chat. Any answers, Barbara? Yes, un nombre de pattes, additionner le nombre d'animaux, la tapisse bleue et la tapisse rouge, combien en tout? 1 to 10. OK, alors je vais vous montrer quelques-unes de mes idées. Alors, combien de tapis, les bleus et les rouges, combien est-ce qu'il y a dans tout ensemble? Combien de chiens est-ce qu'il y a? Alors, à la droite et au gauche de Dan, ben de Luc en français. 6 et 3, les petits et les gros chiens. Et les chiens avec et sans une balle. Et combien de plus est-ce qu'il y a de petits chiens que de gros chiens? Alors, on va commencer avec notre progression des apprentissages aujourd'hui. Et j'aime vraiment notre progression des apprentissages parce que ça nous montre où sont nos élèves et leurs prochaines étapes. Et on va commencer à maternelle et ça va aller jusqu'à troisième année. Et ça va couvrir tous les 5 domaines de mathématiques.
Alors, on peut voir en haut qu'on a encerclé que ça va être nombre. On a nos idées principales. Et ensuite, on a nos cadres conceptuels et nos indicateurs. Alors, aujourd'hui, on va prendre un des cadres conceptuels. On va prendre aisance avec les opérations et on va voir avec tous les matériaux de mathologie comment on peut enseigner nos élèves de maternelle jusqu'en troisième année et voir leur progression pendant qu'ils apprennent. Alors, notre question d'apprentissage a été créée par Dr. Lynn McGarvey à l'Université d'Alberta et tout est fait au Canada. Et tout le programme de mathologie est basé sur la progression des apprentissages. Alors, notre idée principale aujourd'hui, c'est que les quantités et les nombres peuvent être additionnés et soustraits pour déterminer combien il y a d'éléments. Et on peut voir qu'il y a deux cadres conceptuels ici et que les deux travaillent vraiment ensemble. Alors, développer la signification conceptuelle de l'addition et de la soustraction et développer une aisance avec des calculs en addition et soustraction. Alors, aujourd'hui, on va commencer au début avec additionner et soustraire à 5 et on va nous rendre jusqu'à reconnaître les compléments de 100. De maternelle jusqu'en troisième. Alors, on peut voir, on va explorer les petits livrets aujourd'hui, on va explorer les fiches reproductibles, la trousse d'activité, les jeux, les mini-leçons, les activités à faire à la maison. Et ensuite, on va tout voir ça dans notre programme de mathologie.ca. Pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser tout de suite avec vos élèves dans vos classes en ligne. Alors, on va parler encore, interagir encore. Voyez-vous une situation d'addition? Et je vous présente une image d'un beau nid, qui est un livre de maternelle, un des petits livrets de maternelle. Alors, écrivez dans le chat si vous voyez une situation d'addition et qu'est-ce que vous voyez comme situation d'addition. Three plus one. Three. Combien y a-t-il d'oiseaux? Add the birds. Add the total. Two plus one. 3 plus 1 equals 4. OK. Alors, on a beaucoup de situations d'addition pour nos élèves de maternelle et on peut voir qu'on peut ajouter les outils des fiches reproductibles et de notre trousse d'apprentissage pour aider à nos élèves, pour différencier, pour leur donner des outils pour travailler. Alors, on peut voir ici qu'on avait 3 oiseaux et on a ajouté un autre. Alors, on va avoir des élèves qui vont compter 1, 2, 3, 4 avec les oiseaux. On va avoir des élèves qui vont dire qu'on avait 3 oiseaux, un autre est venu, alors on a 4. Et on a d'autres élèves qui vont nous dire qu'on connaît que c'est un gris de 5 et que je vois un espace vide, alors on a 4. Alors, toutes les façons différentes que nos élèves peuvent travailler notre situation d'addition. Et c'est vraiment que nos élèves deviennent, aient de l'aisance en travaillant avec les chiffres jusqu'à 5. Et ça, c'est notre première partie sur notre progression d'apprentissage, additionner et soustraire avec aisance à 5 chiffres près. On peut aussi différencier pour nos élèves avec les fiches reproductibles et les fiches sont disponibles sur le site web de Pearson. Alors, on peut voir les tableaux de grille de 5. Que vous pouvez imprimer ou mettre sur vos plateformes en ligne ou même demander aux parents de les dessiner. On a aussi nos cartes numériques. Alors, on peut les utiliser en place des oiseaux pour représenter. Alors, notre livre, notre petit livret commence avec un oiseau dans le nid et un autre arrive et un autre. Et je ne vais pas vous dire comment ça finit pour que vous ayez la chance d'aller lire le petit livret. Et on a aussi
des descriptions des nids. Alors, on peut utiliser soit des petits morceaux de bois ou des petites roches autour de la maison pour représenter les oiseaux. Ou on pourrait dessiner les oiseaux ou utiliser des petits points pour représenter les oiseaux pendant l'histoire. Alors, on peut voir qu'on peut différencier, qu'on peut aider à nos élèves où ils sont pour les faire progresser le long de notre progression d'apprentissage. Alors, on va continuer le long de notre progression d'apprentissage pour voir quelle équation d'addition et de soustraction à 10 voyez-vous avec cette image. Alors, je vais vous demander d'aller au chat encore une fois et d'écrire qu'est-ce que vous voyez. Équation d'addition et de soustraction à 10. Add the number of chairs. Add the number of chairs. Add the number of chairs, 5 plus 5. Add the big chairs and add the little chairs. How many more chairs than dogs? Five chairs plus five chairs. Alors, beaucoup d'idées, même avec une seule image, toutes sortes d'idées qu'on peut avoir pour des discussions et pour travailler avec nos élèves. Alors, pour moi, j'ai trouvé les 5 chiens et les 2 chiens, qu'on avait 10 chaises et qu'on avait 7 chiens. 10 chaises, enlève les deux chiens d'un côté, les 5 de l'autre côté. 7 plus combien? Alors, nos 7 chiens plus combien de chaises libres va faire 10? Et les 7 plus 3. Alors, avec cette image ici, avec cette petite livret garderie pour chien chez Luc, on est rendu à notre deuxième point sur notre progression d'apprentissage, additionner et soustraire avec aisance des quantités jusqu'à 10. Alors, on a commencé avec notre 5, on est rendu à 10. Alors, on va regarder encore les fiches reproductibles pour différencier. Et on a des tableaux de grès de 10. On a à l'intérieur ou dehors, alors on peut voir où jouent les chiens. On a un modèle de page d'histoire et on a des problèmes jusqu'à 10. Alors, quand on pense où sont nos élèves, comme c'est là, on va avoir des élèves qui vont modeler l'histoire avec le tableau de grès de 10. Ils vont jouer avec les petits chiens ou quelque chose qui représente les petits chiens. On peut aussi utiliser à l'intérieur ou dehors pour modéliser où sont nos chiens. On peut aussi incorporer notre français, notre littératie, avec notre petit livre, garderie pour chiens. Alors, il y a combien de chiens, il y a combien de balles, il y a, et les élèves peuvent dessiner. Et ensuite, on a des problèmes avec des balles, avec des eaux et avec des bols. Alors, encore, on peut différencier pour nos élèves tout en utilisant le même concept, les mêmes indicateurs et le même petit livret. Et encore, les fiches sont disponibles sur le site web gratuitement. Alors, on va continuer maintenant avec les compléments de 10. Et ça, c'est un jeu que je jouais dans ma salle de classe avec mes élèves toute l'année longue. On peut différencier pour celui-ci aussi à l'autre côté de la carte. On a 3 piscines. Alors, pour cette activité, on donne à nos élèves 10 jetons. Ils vont mettre des jetons dans piscine A, des jetons dans piscine B pour voir tous les compléments, toutes les façons qu'ils peuvent faire 10. Alors, super simple, super facile pour les élèves, mais je leur donne un défi. Combien de façons peuvent-ils trouver? Et est-ce qu'ils ont trouvé toutes les façons? Alors, ça, c'est des élèves dans ma salle de classe. Et on peut voir, c'est assez facile pour jouer à la maison. On peut imprimer la carte, on peut le donner aux parents. Et dans la première image, j'ai trouvé des jetons au dollar store,
et on a écrit sur nos bureaux avec des marqueurs. Et le deuxième, c'était les capuchons des bouteilles de lait qu'on avait dans nos salles de classe. Alors ici, sur notre progression, on est rendu à se rappeler facilement les compléments de 10. On continue encore en utilisant des doubles pour soutenir l'apprentissage des presque doubles. Et je vais vous montrer un jeu maintenant qu'on peut jouer encore avec les fiches reproductibles. Et c'est un jeu de concentration, de mémoire. Alors, on coupe les cartes, on les tourne et on essaie de trouver ce qui va ensemble. Alors, 6 plus 6 et le match va être 12. Et si on arrive maintenant à 6 plus 7, on peut utiliser ce qu'on sait de nos doubles pour trouver la réponse. Alors, c'est seulement un de plus. Alors, des jeux comme concentration, comme des jeux de mémoire, aident à nos élèves de développer leur apprentissage, de développer de l'aisance avec les opérations en jouant. Et encore, c'est des idées qu'on peut envoyer à la maison. Comme c'est là, on peut envoyer les cartes à imprimer ou on peut dire aux parents de simplement créer des cartes. Jordan, sweet. Oui. Sorry to interrupt you, but there's a few people in the chat that are asking that they don't have the activity cards at home. They don't have the kits with them. Are they available on Mathologie.ca? Oui. Je vais vous montrer Mathologie.ca. Une fois qu'on a fini notre progression d'apprentissage, je vais vous montrer où tout trouver sur Mathologie.ca les cartes que vous avez besoin. Et vous pouvez avoir une période d'essai gratuitement jusqu'au fin de juin. Alors, je vais tout vous montrer ça. Alors, on va continuer avec notre progression. Alors, utiliser des sommes et des différences connues pour résoudre de nouvelles équations. Alors, on continue avec additionner jusqu'à 20. Alors, on peut voir, on avance en complexité. Et pour notre carte ici, on choisit des cartes de saumon. Et on les ajoute ensemble et on essaie de trouver la carte de réponse. Alors, on a nos grilles de 10 sur les poissons à découper. Et encore, on peut les imprimer, les cartes. On peut les mettre, on les imprime en PDF et on peut les mettre sur nos plateformes numériques. Alors, additionner et soustraire avec aisance des quantités jusqu'à 20. Alors, on a fait de 5. On nous a rendu jusqu'à 10, maintenant on est rendu à 20. Alors, en plus de travailler notre aisance avec addition et soustraction jusqu'à 20, on peut ajouter un peu de stratégie avec des jeux. Alors, dans notre jeu ici, c'est une carte de deuxième année. C'est en anglais, mais c'est disponible sur lemathologie.ca en ce moment, en anglais seulement. Mais c'est assez facile de le faire en français parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anglais. Et pour celui-ci, on essaie de trouver et de faire 4 dans une ligne. Alors, si je tourne la carte, et on peut voir les cartes en bas sur les fiches reproductibles, et je choisis 8 plus 7, je vais mettre mon jeton. Ensuite, joueur B a pigé 13 moins 6 et va mettre leur jeton. Et si on jouait, on peut voir qu'on a des places, on a d'autres places qu'on pourrait mettre les jetons. Et c'est de penser un peu plus de stratégie, de bloquer notre partenaire. Alors, joueur A choisit encore et met leur jeton. Et joueur B continue. Et on a le choix maintenant. Est-ce qu'on va bloquer ou est-ce qu'on va continuer notre ligne? Alors, pas seulement utiliser nos stratégies d'addition et de soustraction, mais d'utiliser nos stratégies de jeu. Et ici, on va développer des stratégies mentales et des algorithmes efficaces pour résoudre des équations comprenant nombres à plusieurs chiffres. Et on est presque rendu à la fin de notre progression. Alors, on a notre différenciation pour
notre quatre en ligne avec trois, alors un peu moins complexe. Et on peut utiliser nos grilles de 10 pour nous aider avec ça, avec les cartes multi-usages ou avec les fiches reproductibles. Et on peut aussi faire un peu d'enrichissement avec des nombres qui sont un peu plus complexes. Et on pourrait même utiliser celui-ci pour des années combinées. Alors, pour un deuxième, troisième. Alors, on est rendu maintenant à estimer la somme et la différence. Et encore avec les fiches reproductibles, j'ai mis une question 48 plus 37. Alors, quelle serait votre estimation et comment est-ce que vous pensez que vos élèves estimeraient la solution? Alors, écrivez dans votre chat, on va parler un peu plus. Any ideas for estimation, Barbara? Sorry, I was on mute and I was answering. I was saying it out. Sorry about that. So one is to round up to the nearest 10. 50 plus 40. 50 plus 40 equals 90. 50 plus 35 equals 85. 50 plus 40 equals 90. 50 plus 40 minus 80. Oh, 90, sorry. Rounding. Alors, ce qu'on sait de nos élèves, c'est qu'ils n'aiment pas nécessairement faire des estimations parce qu'ils veulent seulement avoir la bonne réponse. Alors, une des choses que je vais vous montrer sur mathologie.ca, c'est des idées fausses possibles. Alors, quand on a nos activités, on vous présente des idées fausses possibles et des suggestions. Alors ici, c'est, on va suggérer à nos élèves que c'est pas de trouver le nombre exact, mais de trouver quelque chose pour rapprocher du nombre réel. Alors, on va voir avec nos élèves. Pour moi, j'ai estimé 50 et 40. On va voir quelques stratégies que nos élèves peuvent utiliser. Alors, avec notre ligne de nombre, on a fait notre 48 avec des sautes de 30, de 2 et de 5. On aura peut-être des élèves qui vont faire les 10 et les 1, alors 40 plus 30 et 8 plus 7. On a peut-être des élèves qui vont enlever et ajouter, alors enlever le 2 du 37 pour faire des nombres amis, alors 50 plus 35. Et on va peut-être avoir des élèves qui sont super confortables avec toutes les stratégies et qui vont aller tout de suite à l'algorithme. Alors avec notre estimation maintenant, on est rendu sur notre progression à estimer la somme et la différence de nombres à plusieurs chiffres. Alors, je vous ai montré beaucoup d'idées super vite, mais je veux encore vous montrer mathologie.ca et comment tout trouver pour travailler à la maison. Alors, en travaillant seulement une case conceptuelle, on a vu qu'on a additionné, on a commencé avec notre petit livret, un bonnet, pour additionner et soustraire à 5. On a sauté à 10. Avec un autre petit livret, on a eu une activité dans notre trousse pour les compléments de 10. On a joué notre jeu de concentration pour les doubles et les presque doubles. On a additionné et soustrait jusqu'à 20. On a joué notre jeu de stratégie. On a estimé. Et si on voulait continuer, on a les petits livrets de troisième année pour travailler les compléments de 100. Alors, beaucoup, beaucoup pour seulement une partie, une code conceptuelle. Alors, imaginez-vous qu'on a tous les domaines, tous les codes conceptuels
toutes les grandes idées. Alors, tous les composantes de Mathologie, on a vu, si on commence à la droite, les ressources pour les élèves et pour la salle de classe. On a nos trousses d'activités et on a notre trousse de première année qui est disponible en ligne aussi. Notre trousse de deuxième année est en français et va être disponible en ligne en automne et troisième année à venir. On a nos 72 petits livrets et je vais vous montrer que vous avez accès aux petits livrets comme c'est là pour travailler avec vos élèves et que vous pouvez envoyer pour travailler avec les parents à la maison. À gauche, on a nos ressources d'apprentissage professionnel. Alors, notre progression d'apprentissage est là. Et au milieu, maintenant, on va explorer mathologie.ca. C'est notre plateforme numérique pour rechercher, planifier, enseigner, évaluer et on va aussi trouver un peu d'apprentissage professionnel. Alors, je vais changer d'écran pour vous montrer Mathologie. Oups. Alors, c'est ici notre écran d'accueil pour Mathologie. Et je vais commencer à vous montrer comment faire des recherches. Alors, la façon la plus simple, c'est d'écrire des mots-clés. Alors, si je viens ici et je fais addition et recherche, et je peux trouver que j'ai 35 résultats trouvés pour addition. Alors, on a des petits livrets. On a des cartes d'activité. On a des mini-leçons. On a des fiches reproductibles et on a des idées pour faire des activités avec nos élèves. Si je veux affiner ma recherche, je peux remonter en haut et on peut voir qu'on peut chercher maternelle, première année, deuxième année. Alors, si je choisis première année, maintenant je suis rendue à 23. On peut aussi chercher par type. Alors, on a des activités, on a des approfondissements et on a nos petits livrets. Alors, si je choisis petit livret, maintenant, je suis rendue à 8 pour addition, première année, petit livret. On peut aussi affiner notre recherche par domaine d'études, alors nombre, modélisation, mesure, géométrie et gestion des données. Si je retourne, alors c'est comme ça qu'on fait la recherche par mots-clés. Si je retourne à l'accueil, on peut aussi rechercher par curriculum. Alors, vous pouvez voir que je suis sur un écran d'Ontario. Alors, j'ai tout ma curriculum ici, j'ai toutes mes attentes et je peux choisir mes attentes et voir mes contenus d'apprentissage. Et d'ici, je peux choisir la loupe et ça va me donner les résultats pour contenu d'apprentissage que j'ai choisi. Des petits livrets et on peut encore affiner notre recherche. Alors, super facile. Si je retourne encore à l'accueil, on peut aussi rechercher par progression. Alors, notre progression des apprentissages qu'on a faite aujourd'hui. Alors, on a fait additionner, soustraire. On peut choisir dessus et on peut voir notre progression des apprentissages. On peut avancer, reculer et on peut choisir encore notre loop pour trouver les résultats pour chaque partie de notre progression d'apprentissage. Alors, ça vous montre une façon vite à chercher pour vos matériaux. Je vais maintenant vous montrer des leçons qui sont disponibles sur mathologie.ca. Alors, je vais commencer avec un petit livret, ça fait 10, un de mes favoris. Et on peut voir qu'on a notre à propos, on a les détails de notre leçon et on a nos ressources connexes. Alors, on peut commencer pour juste voir un petit à propos sur notre livret. L'accent sur les mathématiques, nos liens au curriculum. Ici, on descend encore notre progression des apprentissages, où on est rendu et les prochaines étapes. On peut remonter, voir les détails de notre leçon. Alors, on a notre petit livret, on a des idées pour discuter et on a des idées pour présenter le livret. On a aussi notre guide d'enseignement. Si vous voulez explorer. Et si je monte en haut ici, on peut voir petit livret de mathologie.
Et si je clique ici, je peux trouver ce qui sont disponibles maintenant pour vous, pour partager avec des parents, pour partager avec vos élèves. Vous avez accès à les petits livrets de mathologie. Alors, on a nos petits livrets de maternelle. Première année, deuxième année et troisième année. Alors, si on monte, on peut voir première année. On peut voir notre petit livret, ça fait 10. Et on a l'option maintenant de lire et écouter notre petit livret. Et sont vraiment faits pour des élèves d'immersion. Ils ne sont pas traduits. Alors, les livres, les mêmes livres sont disponibles en anglais, mais ils ne sont pas traduits. Ils sont vraiment faits pour les élèves d'immersion. Alors, on peut écouter. 3 paniers de framboises et 7 paniers de bleuets. Voilà vos 10 paniers, Monsieur Lynn. La deuxième cliente entre. Bonjour, Mademoiselle Leclerc. Les bleuets et les framboises sont en solde. Mademoiselle Leclerc dit, « Je vais prendre 10 paniers de petits fruits. Je veux 8 paniers de bleuets. » Combien de paniers de framboises pour Mademoiselle Leclerc? Alors, on peut écouter. Alors, pour moi, la plupart des parents de mes élèves ne parlent pas de français. Alors, envoyer des livres pour travailler à la maison, ça l'aide beaucoup quand ils sont lits pour les élèves. On peut aussi voir une activité. Alors, c'est une activité que nos élèves peuvent faire et on peut encore écouter. Combien de plus pour faire 10? Joue avec un ou une partenaire. Glisse quelques jetons sur la grille de 10. Ton ou ta partenaire doit nommer la partie de 10 qui manque. Remplis la grille de 10 pour vérifier. Clique « Tout réinitialiser ». Changez de rôle et jouez encore. Alors, on peut voir qu'on peut mettre nos jetons, jouer. Et on a des renseignements en haut pour les concepts mathématiques pour les parents ou pour les enseignants. Alors, ça, c'est nos petits livrets et où on peut les trouver. Ils vont être disponibles jusqu'au fin juin. On a aussi nos ressources connexes. Alors, les choses à faire après la lecture. On a des liens aux activités additionnelles. Alors, si on veut faire un jeu de cartes, on peut voir en PDF ou en Word. On peut trouver nos fiches reproductibles juste là. Et s'il y avait des leçons connexes, ça serait là. Au bas, on a nos vidéos de développement professionnel. Alors, si on clique dessus, on va voir une vidéo qui arrive. How many muffins do you see? Did you count, add, or multiply? In this video, we'll explore the learning pathway for the big idea quantities and numbers can be added and subtracted to determine how many or how much. Alors, je vous encourage de visionner, de jouer avec les vidéos un peu, avec votre période d'essai. Je vais pas prendre trop de votre temps aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer maintenant, je retourne à notre page d'accueil, je vais vous montrer une des leçons avec une carte d'activité. Et ça, c'est une activité que j'ai faite avec mes élèves. On peut voir que c'est 45 à 50 minutes. On a joué de septembre jusqu'en juin parce qu'on devait pratiquer, compter et compter de plus. Et mes élèves l'ont vraiment aimé. Alors, on a notre même à propos, nos détails. On a l'évaluation, ce que je vais vous montrer après, et les ressources connexes. Alors, on peut voir notre à propos. Que c'est une activité de première année, de nombre. On a des renseignements généraux sur le contenu.
On peut voir encore nos liens au curriculum et notre progression des apprentissages. Et encore, on peut avancer et reculer pour voir les prochaines étapes. On a nos détails de leçon. Alors, voici la carte d'enseignante. Quand vous avez votre trousse, vous pouvez sortir la carte. Alors, on a notre domaine, nombre, les matériels. Et si on a besoin des fiches reproductibles, elles sont disponibles ici en PDF ou en Word. Ça va ouvrir et on peut l'imprimer. On a notre leçon en trois étapes, alors notre avant, notre déroulement. On a des options pour différencier. On a de l'approfondissement, des choses à faire remarquer aux élèves un peu plus en classe et des choses à surveiller quand on joue avec nos élèves en classe. On a aussi nos questions d'approfondissement en bas. Et on peut voir ensuite nos cartes. Alors, notre carte d'enseignant avec toutes les informations qu'on vient de voir. Pour évaluer, on peut regarder les comportements et les stratégies de nos élèves et on peut voir les prochaines étapes pour nos élèves. Et ensuite, on a nos cartes de jeu. Alors, côté A, on va de 1 à 20 et on peut différencier d'aller de 20 à 1. Pour mettre vos cartes sur vos plateformes, alors Google Classroom ou quoi que ce soit, on a notre bouton en bas qui dit « Imprimer ». Si vous allez là et vous choisissez « Save as PDF », on peut le sauver, ça va aller à votre ordinateur et de là, vous pouvez l'utiliser comme PDF sur vos plateformes numériques. Et on a nos interactives en bas. Alors, pour celui-ci, c'est un outil degré de 100. Si on remonte pour l'évaluation, on peut voir que j'ai déjà évalué tous mes élèves. Je vais vous montrer vite fait. Si vous faites votre classe, vous mettez vos élèves ici, on regarde, c'est notre même carte avec les comportements qu'on peut observer avec nos élèves. Alors, les mêmes 6. Avec les prochaines étapes qu'on peut voir. Alors, on peut mettre nos élèves, soit drag and drop, ou on peut les choisir et cliquer pour les ajouter. Et je vais vous montrer, une fois qu'on a fini notre leçon, comment voir le résultat de toutes nos évaluations. Et enfin, on a nos ressources connexes. Alors, on a nos mini-leçons disponibles pour année courante. Alors, des mini-leçons et de la pratique. On a des interventions et on a de l'enrichissement. Comme j'ai mentionné, quand on a regardé estimation, on a des idées fausses possibles et des suggestions. Et pour après la leçon, on a des prochaines étapes en classe qui ne nous aident pas grand comme celle-là, mais on a des prochaines étapes pour à la maison. Et encore, on peut l'imprimer à PDF. Si on utilise des murs de mots de mathématiques, on a les mots. Et nos leçons connexes, on peut voir pour l'année et l'année inférieure. Et si ça ne vous tente pas de tout lire, on peut voir encore nos vidéos. Et on a nos vidéos de développement professionnel, mais on a aussi nos vidéos pour chaque activité. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez prêter attention pendant cette activité. Observez de quelle façon vos élèves déplacent la pièce de jeu. La déplacent-ils d'un espace à la fois pour démontrer la correspondance 1 à 1? Ou subitisent-ils le nombre d'espaces pour faire un seul grand bond? Vous pouvez également observer de quelle façon vos élèves gardent le compte quand ils comptent à partir d'un nombre. Est-ce qu'ils déplacent la pièce selon le nombre indiqué par le cube numéroté 1, 2, 3, 4, 5 et reviennent ensuite pour compter à partir du nombre 4, 5, 6, 7, 8, 9? Alors, on peut voir qu'on a des vidéos pour chaque activité.
Alors voilà, super vite. Des leçons pour les petits livres, des leçons pour des cartes d'activité. Je vais vous montrer les autres choses qu'on a disponibles. Alors, si on trouve une leçon ou une activité ou un petit livret qu'on aime beaucoup, c'est facile de garder dans les favoris parce qu'il y a plein d'affaires sur mathologie.ca. Alors, je viens juste d'aller à tout. Alors, si je trouve quelque chose que j'aime beaucoup, je peux venir ici. Je veux garder au champ de maïs. Alors, je clique le cœur et c'est enregistré en favoris. Et ensuite, quand je vois en haut favoris, je peux voir toutes mes leçons favorites. Et si je veux l'avoir sur ma page d'accueil pour le voir super vite, je vais juste cliquer sur l'épingle. Et quand je retourne à mon écran d'accueil, on peut voir que mes leçons que je veux épingler, que je veux voir super vite, sont là. On a aussi l'option pour des plans. Alors, en français, on a des exemples de plans. Alors, on a des planifications annuelles et je vous encourage vraiment d'essayer les planifications. Je l'ai fait l'an dernier avec mes élèves et j'ai vraiment aimé ça. C'était spiralisé. Et on a commencé avec géométrie et c'était fantastique en immersion en première année. Mais on a maintenant les compétences fondamentales en première année. Alors, on peut commencer à compter. Et si on veut voir aisance avec les opérations, on a tous les matériaux qu'on a parlé aujourd'hui et d'autres. Et si je veux l'utiliser, si je veux garder pour moi comme un plan, je mets le nom. Alors, je vais mettre... avec le plan enregistré. Et maintenant, je peux jouer avec le plan. Alors, je peux voir que tout qui est là. Et si j'aime vraiment pas subitiser, je peux l'enlever. Je peux épingler les choses à mon écran d'accueil. Je peux cliquer pour voir que j'ai terminé. Je peux ajouter un nouveau dossier. Et je peux aussi ajouter des matériaux du banc ici. Je peux ajouter aussi des leçons autres que mathologie. Alors, si je trouve un outil Mathies que j'aime beaucoup, je vais mettre le URL et ça va le garder avec toute ma leçon tout ensemble. Alors, quand je vous ai dit que ça l'aide avec la planification, ça l'aide beaucoup avec la planification. Et si vous avez la trousse d'activité, vous allez voir que pour planifier, c'est le soir ou pendant la fin de semaine, de ne pas avoir à amener la trousse ou tous les petits livrets à la maison, toutes les voir en même place, ça l'aide beaucoup. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'analytique. Alors, je vous ai dit que j'allais vous montrer l'évaluation. Alors, quand j'ai évalué mes étudiants, quand on a fait notre bondir dessus, on peut voir où qu'on est rendu ici. Alors, mes élèves sont en cours de progression. Alors, on peut voir où ils sont dans leur comportement. Mais je peux voir toutes les activités. Je peux voir toutes les activités que mes élèves ont fait et où on a besoin d'attention et où qu'on est sur la bonne voie. Je peux aussi explorer non seulement par classe, mais par élève. Alors, je peux voir un de mes élèves. Et je peux voir tout en descendant sur la bonne voie ou besoin d'attention. Je m'excuse, on vient de recevoir la poste. Alors, mes chiens veulent que je le sache. Alors, voilà notre mathologie.ca. Et on va retourner ici. Alors, juste pour vous faire souvenir que vous avez mathologie.ca et vous pouvez l'utiliser gratuitement jusqu'au fin juin. Alors, si vous allez sur le site web de Pearson, je fais juste un Google search de Pearson Mathologie et vous allez voir qu'il y a un bouton en bas pour faire un essai gratuit. Et vous pouvez utiliser tous les petits livrets en ligne gratuitement et vous pouvez les envoyer aux parents. Alors, soit tout le site web, ou vous pouvez utiliser les URL de chaque petit livret, soit dans un courriel ou dans votre Google Classroom ou quoi que ce soit, pour envoyer le livre aux parents. Oh, je ne vous ai pas montré. Avec les petits livrets, on a
Des activités pour les parents. Alors, si on regarde notre livre Un beau nid, si on descend en bas, on a un petit bouton Parent Info. Et ça va ouvrir à une lettre qu'on veut envoyer, qu'on peut envoyer aux parents. Alors, des activités à faire à la maison avec le petit livret. Alors, c'est disponible en français et en anglais. Et vous avez aussi accès aux fiches reproductibles pour travailler les activités. Alors, pour ici, notre grille de mathématiques et notre modèle. Alors, juste d'autres idées de choses qu'on peut utiliser à la maison pour enseigner nos élèves. Et on peut lire, écouter, on a les activités à essayer en ligne. Notre lettre pour les parents. Je vous ai montré comment imprimer les cartes comme, pour les utiliser sur vos plateformes numériques. Les fiches reproductibles, encore, si vous allez au site web de Pearson, vous pouvez tous les voir avec tous les liens, ainsi que des vidéos tutoriels et des corrélations à chaque curriculum par province. Et je vais mettre ça ici et je vais vous demander si vous avez des questions. Alors, j'ai beaucoup parlé, je l'ai fait vite, mais si vous avez des questions, c'est maintenant, on a un peu de temps, vous pouvez les écrire dans le chat. Hi, Jordan, it's Barbara. I just wanted to mention one thing is that we have weekly office hours with a digital expert that people can contact specifically for Mathologie.ca. She has office hours on Tuesdays and Thursdays, and there is a link. I'm going to pull it up right now. Perfect. Thank you. Once you're in the program, it's right. If you are in, if you are doing the demo or you already have Mathologie.ca, it doesn't, either way, you just click at the top and then you'll get to this page and you can click and register for her office hours. Alors, si vous l'avez manqué, c'est juste en haut ici. Alors, on a le lien au petit livret et on a les détails sur les webinars. Alors, vous pouvez demander les questions que vous avez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Give me one second, I'm just translating. OK. Can you explain your latest model on resource sharing? Latest model on resource sharing? In terms of like the copyright and teaching online? I am not sure, but we do have a document right on our website that does talk all about sharing what you can share and what you cannot. Et si vous avez des, en termes de partager, c'est comme c'est là, c'est disponible gratuitement pour tout le monde. Alors, n'importe qui peut aller sur le site web de Pearson et avoir un compte de Mathologie.ca. N'importe qui peut aller accéder au petit livret. Alors, on peut partager en ligne avec nos élèves, mais en termes de d'autres enseignants, on peut tout avoir notre propre compte. So she did write back that we can share with students, but we do share with parents, and so we share the link with our teachers and our parents. So you wouldn't be, I don't assume you would be sharing with parents the actual, like any of the actual books. I mean, if you are, you can do that so that the students have them and can use them right now. So we've really bent a lot of our rules so that you do have what you need and can share
from now until June. So you should read that document that is on our website. I just see there's a few more questions. Can you share using Google Classroom? So it depends what you're trying to share. You can, anything that you can put into a PDF, yes, you can share that in Google Classroom, but you just have to, you should also check with that document around how, because there's a, you can only share, I just can't remember all the exact amounts, but there's how a percentage that you can share, but it should not be a problem if you're sharing in Google Classroom. With the actual product, anything that you can put into a PDF, like the, I believe the activities or any of the line masters, all of that you can put into Google Classroom. Et pour les petits livrets, vous pouvez envoyer les liens aux parents et mettre les liens dans votre Google Classroom. Yeah, this is also a good question. So yes, are we allowed to read Le Petit Livret as a read aloud during live video conferencing, such as a board approved Google Meet with students? And the answer is yes. Normally, under normal situations, I don't think that the copyright would allow you to do that. We are allowing you to do that for now. So till June, yes, you definitely can. You can also, if you did want to video yourself reading aloud the book, then normally you wouldn't be able to do that, but now you can. So you could video yourself reading the book and then put that on something that you're sharing out with all your students. So it might not be live, it might be something you've recorded. Yes, you can also do that as well. There's a question about the screen reader files available in French for the little books. Now for grade one, they should all be in there. Was there ones you were showing, Jordan, from a different grade? I showed the kindergarten ones. Sont tous disponibles. Alors les petits livrets de mathologie. En anglais et en français, on a maternelle, première année, deuxième et troisième. Et avec tous les livrets, quand on clique dessus, on peut lire et écouter. Alors, on a toujours l'option. Et on voit que c'est en bas. Papy, c'est notre meilleur anniversaire, dit Ethan. Ce n'est pas terminé, dit grand-père. Votre mère dit que je peux vous faire une autre surprise. Alors, le lit et écoute, c'est disponible pour maternelle jusqu'en troisième année. Are there any more questions? I think we've answered everything that was in the chat. So if there are any more questions, please feel free to ask. Otherwise, I just wanted to thank everybody for joining us today. And thank you, Jordan, for yet another fantastic job. Merci, tout le monde.